Les Red Series. Yeah, motherfucker. Et on commence par les Red Series sur Canyon. Si ma fille se couche sans trop de problèmes et que ma femme est d'accord, je pense que je vais streamer Wolf Among Us. Il nous manque, c'est gentil, c'est gentil. Faut que je vous. Attends, je vais te screenshoter puis je vais le taguer sur Facebook, comme ça il ira ton message. Alors attends. Allez, on est parti pour les Red Series. Red Series sur Canyon, on enchaîne directement avec une course. Hyper pitbull. Hyper étroite. Mais putain. C'est quoi déjà? Je m'en souviens. Quoi? Je m'en souviens plus du tout. Oh la vache. En même temps, j'ai. Je me suis forcé comme un clébard à avoir la médaille d'argent. J'y fais plus jamais. Oh là 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 là. Attends, il faut que je me chauffe un peu. Parce que là, je suis encore dans ma tête. Je suis encore sur Stadium là. Cette musique, je l'aime bien. Voilà, cette musique, c'est une des rares musiques de Trackmania que j'aime bien. Que j'apprécie même. Oh fuck! Voilà, ça c'est pour moi c'est un autre problème de level design. C'est qu'on peut très difficilement revenir sur la piste, au cas où on se gadin. Alors oui, je sais bien que dans l'optique c'est de recommencer à zéro, mais des fois non, je suis un joueur en tant que joueur lambda, j'ai pas forcément envie de poncer jusqu'à ce que je fasse le zéro foot. Et ça m'énerve aussi que ça change la piste à chaque fois qu'on reset. Voilà, j'ai surkiffé ce passage en rouge. Énorme bon point de level design et de game design et d'inspiration. Wouh, je l'ai pas. Wow, je l'ai passé comme un ouf. Et j'ai surkiffé la première fois que j'ai vu ce passage rouge. Malheureusement, c'est le seul. Il manque un peu de folie dans les créations de circuits quand même. Wall ride. Première, je suis trop court. Ah non, ça devrait le faire. Oh, j'ai explosé mon record. Mais voilà, en Red Series, les circuits sont durs, ok. Mais je les trouve plus agréables qu'en Blue Series. C'est bizarre. Pas tous, hein, parce que là je m'en souviens d'un dans Canyon là. Je crois que c'est un multilap qui était une horreur. Alors celui-là, ça commence par un petit trou de souris. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, ça va, on peut rester ici. Ah oui, voilà. Et là, faut rester bien droit, je suis droit. Ouais, c'est bon, je suis droit. Ensuite, hein. Ah oui, j'arrivais pas à gérer ce demi. J'arrivais pas à gérer ce demi-tour. Sans me casser. Donc alors, attends, c'est un trou de souris, il faut faire un léger gauche pour revenir sur la route. Voilà, c'est raté. On va recommencer. Oh la vache! Et bien sûr,
Ils mettent la flèche en milieu de la route pour en faire un obstacle. Comme c'était pas assez difficile comme ça. Là, ça va, je suis droit. Alors, faut bien ralentir. Peut-être un peu trop ralenti, mais bon, c'est pas grave. On voit galérer d'ailleurs. Oh là, il y avait juste à lâcher les gaz en fait. Passer dans le rectum, c'est bon. Et là, pareil. Faut freiner comme un tarba. C'est bon. Ah oui, à l'arrivée, c'est un demi-cercle, un split. Merde, merde, merde. C'est bon. Oh la vache. C'est bon. Allez, on enchaîne. Elle lui raconte une histoire pendant 45 minutes. Oh yeah! Ah oui, c'est du split! Ah oui, c'est le demi-tour! C'était vraiment pas con le. Vraiment pas con le level design de cette piste. Un peu perturbant. Mais vraiment pas con. Ah, par contre, là, il faut que j'aille tout droit! Je suis bien! Ouh, je suis bien! Ah non, non, on freine! C'est pas trop mal. Non, vas-y, va faire pipi, mon cœur. Il a dit vas-y. Oh voilà, mais comment tu veux. Oh là là, pour un. Oh là là, j'arrive plus à reprendre le contrôle. Ah, oh, dommage, c'était sur la. Oh là là, pff, au secours. Ah, oh, fais chier, quoi. Va faire caca. Bah, va faire pipi. Merde, j'ai fait un meilleur. Oui, j'ai gagné, mon cœur. Évidemment que j'ai gagné. Papa, c'est le plus fort. Qu'est-ce qu'il se dit sur Face? Rien d'intéressant. Ah, c'est beau aussi. Au ras du sol avec les arbres, c'est vrai. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai redit. C'est vraiment hyper propre, hyper agréable à l'œil quand même. Par contre, j'ai aucun souvenir de la piste. Attends, on va la refaire. Je crois que c'est un. Ah oui, ça commence par un droite-gauche en fait. Je suis concentré là, je parle même plus. Ah, je me suis dit, c'est bizarre, tout droit, y'a rien. J'ai aucun souvenir de ces pistes, à croire que je l'ai jamais faite. Parce que vraiment, elle m'a pas marqué. Vraiment, elle m'a pas marqué cette piste. Putain, il fait un temps bizarre dehors, il fait tout jaune. Hein, Virginie?
Il fait tout jaune dehors, ça fait un temps vraiment bizarre. Ouais, il fait jaune dehors, on se croirait à Paris 13e. Ah oui, ce multilap. Ah, j'ai eu la médaille d'or à moins 52 dixièmes. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Parce que j'ai lutté. Ah, voilà, j'ai lutté sur ce circuit. On va essayer au moins de faire le début proprement. Oh mais oh là là, comment j'ai fait pour avoir la médaille d'argent dessus? Oui, c'est vrai que j'ai recommencé. Il s'est passé je sais pas combien d'épisodes de Shadowhunter pour que je réussisse la médaille d'argent ici. C'est vraiment ce passage-là qui est chiant. Après, ça va. Merde! Après ça va, je crois. Arbre! Ouh! Ouh! Oh, c'était juste. Ah ouais, ici pareil. Ça paraît difficile, mais ça paraît simple, mais. D'arriver super droit suite à un gros dérapage long comme ça, c'est vraiment pas facile. J'aime beaucoup l'arrivée par contre. Le double épingle est vraiment chouette. Là là. Voilà. Et ça, tu fais ça au deuxième tour, au troisième tour, bah c'est reset parce que tu peux pas avoir la monnaie d'argent. C'est une horreur. Et sur un circuit qui fait presque 4 minutes, tendu. Oh la vache! Je suis mal. Oh, je suis mal. Ah non, je suis peut-être pas trop mal. Oh, le rebond. Wouhou! Ça va, je suis droit. Putain, que deuxième tour, j'ai l'impression d'en avoir fait 6. Bah, va faire caca. Pourquoi elle a besoin de mon autorisation pour aller faire caca? Oh, je suis mal, tu m'as. Oh, j'allais pas très vite du coup. Ah, la vache, non! Oh, ce jump à cet endroit-là, c'est une horreur. Putain, j'en peux plus, c'est le troisième tour. J'ai l'impression que ça fait 10 fois que je passe ici. Team 5 font toujours des DLC sur Trial. Bah, ils en préparent un, soi-disant, mais j'attends, j'attends.
Ben voilà. Oh non! Ah voilà, là je l'ai bien pris. Là, voilà, là j'ai. Là, la portion du circuit, je l'ai fait à la perfection. Ouais, sauf l'arrivée, merde. Mais bon, enchaîner ça sur 3 tours, laisse tomber. Bah, c'est pas l'arrivée? Ah non, elle est là, l'arrivée. 30 secondes de retard, c'est un truc de dingue. Et non, je fais améliorer. Il y a une bouteille d'eau, mon cœur, ou quelque chose comme ça? Allez! Allez! Oui! Oui! Tiens, tu veux venir le dire à la caméra? Viens, viens, viens le dire au casque. Allez, qu'est-ce qu'il a le soleil? Il est pas là. Qu'est-ce qu'il a le soleil? Bah, il est tout jaune? Bah oui, tout jaune. Pourquoi? Parce qu'il vient faire. Il vient faire quoi? Il va, bah, il est pas là le soleil. Et pourquoi il est pas là le soleil? Parce qu'il est pas là le soleil. Et qu'est-ce qu'on fait quand il est pas là le soleil? On fait des dos. Et ben voilà. Et qu'est-ce que t'attends alors? Ah oui. T'attends la nuit? Mais regarde, il fait déjà nuit. Mais non. Bah si, elle est en train de venir la nuit là. Mais non. Allez, on va dodo. Attends, prends mon casque. A plus, Tavline. Merci d'être passé. Alors, c'est la 126. C'est laquelle, la 126 déjà? Ah, oh, c'est celle qui est dans les catacombes, je crois. Non, il y a de l'orage qui va arriver. Ah, oh, pff. Ah, dis donc, ça m'a jamais fait ça, une queue de poisson sur un bounce. Ah oui, c'est celle-là dans le canyon. Oh là là, c'est chiant. C'est hyper pénible. Oh mon Dieu, c'est pénible. Vous avez vu le, il n'y a pas de point zéro. J'arrive pas à me revenir en ligne droite. C'est soit elle dérape trop à gauche, soit elle dérape trop à droite. C'est incroyable. Malgré que je fasse des micro-retouches, c'est hyper pénible. Ils auraient dû rajouter un point zéro. C'est-à-dire que tu fais un à-coup, et la voiture revient à zéro, tu refais un à-coup, et elle recommence à déraper de l'autre côté. Mais il n'y a pas de point zéro. Du coup, ça rend le truc totalement injouable. Et approximatif. Oh, des crêpes. Tu peux... Oh, t'es un amour. Mais bisous, bisous. Ah merde! Je vais pas la refaire. Salut Draxit! Crêpe au Nutella, ça déchire. Musique, on dirait le menu pause de Battletoad, quoi.
Ah ouais, faut être hyper droit, je suis pas du tout droit. Voilà. J'adore le début de ce circuit pour une ingéniosité assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y a deux caisses et on stoppe, il y a deux roues qui vont sur chaque caisse. Par contre, un truc où je suis vraiment déçu, c'est que l'éditeur ne propose pas tous les objets qui sont dans les circuits. Les circuits n'ont pas été réalisés avec l'éditeur. Ils ont été démarrés avec l'éditeur et après ils ont été améliorés en post-prod, on va dire. Et ça, c'est vraiment dégueu. Sur Trial, tous les circuits sont réalisables avec l'éditeur. Généralement, les jeux qui proposent un éditeur, les circuits du solo ou de l'histoire sont faits avec cet éditeur. On peut les refaire. Et là, dans Strikemania, on peut pas refaire. On peut pas refaire certains circuits du solo. Mais ça, c'est con. Salut, William. Ah, je suis de travers, il va rebondir comme un clébard. Fuck. Allez, je vais au moins bien faire ce saut, quoi. Juste zik. Ah ben voilà, là au moins je l'ai bien fait. Et là, il faut ralentir, parce que si on va à fond, on se mange le checkpoint dans la gueule. C'est super dégueulasse. Oh non. J'ai bien galéré quand je vais arriver à cette piste. Oh oui. Eh merde. Oh merde. Là, il est très droit. Là. Non, ouf, c'est bon. C'est vrai, j'y croyais plus. Elle est couchée ? Un miracle ? Mon cœur ? Je pense que j'en ai pour une demi-heure à peu près. Ouais. Trois quarts d'heure. Ouais. Après, si tu veux, on peut faire Wolf Among Us. Je la reprends du début tranquillement. Non, bah comme ça on stream, je leur prends du début, vu qu'il y a quoi, il y a peut-être une demi-heure de jeu. Comme ça je pourrai stream le début et on pourra voir faire des choix différents par rapport au début que j'ai fait. Hein? J'étais très méchant au début? Bah tu me diras quoi choisir alors. En même temps je suis le grand méchant loup. Surtout que je ne passe pas la piste suivante tant que j'ai pas l'or. Ah bah oui, non mais tu vas galérer la Draxite hein. Moi j'ai passé seulement quand j'avais l'argent, hein. J'ai laissé tomber pour l'or sur les pistes. Salut Addictiz, avec un seul dé. Voilà, totalement le genre de piste qui est infaisable, je crois, en éditeur. Pas mal, pas mal, pas trop mal, je suis pas trop content. Mais non. Tu regardes quoi? Walt avant Disney. Ah. Tu me diras si c'est bien. Avant Mickey. Mais c'est en anglais, hein. T'as même pas le sous-titre? Si, j'ai le sous-titre. Là, je suis à la 80, pas mal.
Mais sur One, j'aurais un autre pseudo, le mien est pas dispo. Ah, c'est le problème. Genre Addicties underscore, c'est pas dispo. Oh, dis donc, j'ai eu la médaille d'argent à moins 2 secondes 14, c'est pas mal. Je devais vraiment pas être loin de la médaille d'or. Tiens, comment j'ai fait? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh putain, le piège. Oh, cette musique. Addictis underscore trop long. Non mais underscore c'est le... Non mais le underscore c'est le symbole qui est tout de suite après ton pseudo, ça s'appelle un underscore. Tu joues parfois en multi? Oui, ça m'est arrivé sur Trackmania de faire un peu de multi. Que tu vois, je suis niveau 1 en multi. Mais non. Et moi, j'appelle ça un petit tiret. Non, le petit tiret, c'est ce qu'il y a sous le 6. C'est le signe moins. Le vrai nom, c'est l'underscore. Allez, 130 et on passe à Vallée Rouge. La médaille d'argent à plus 26 secondes. Ça veut dire que j'ai fait... Il me semble que j'ai fait 5 ou 6 fois ce circuit pour avoir 3 fois la médaille de bronze, pour pouvoir débloquer la médaille d'argent. Il est horriblement difficile. Horriblement difficile. À cause de ces jumps où il faut être droit, et si on n'a pas assez de vitesse, c'est direct les rochers. Donc là, j'aurais pas assez de vitesse, je vais devoir faire à droite, passer à gauche des rochers. Bon, bah, tu m'as donné envie, du coup, j'y retourne. Prévois un paquet de chips. C'est une horreur, je l'ai en horreur ce circuit. C'est un des circuits les plus détestés, je crois, de toute la playlist. Voilà, là il y a un autre jump. Pareil, si on n'a pas la vitesse adéquate, on passe pas. Ouh, c'était juste. Je vais attendre pour prendre la One pour acheter ce jeu à la fin du mois. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est du bon boulot, Trackmania, ça. Mais il est dur, hein. Par contre, t'as intérêt à avoir envie d'en chier, quoi. Disons que faut aimer la sodomie jusqu'à la première phalange, quoi, parce que sinon tu prendras pas de plaisir. Et voilà. Blablabla. Au secours.
celui-là, je m'en souviens que j'ai lutté. Je m'en souviens que j'ai grave lutté. Non mais vous avez vu, le moindre petit choc, c'est BIM dans ta gueule, tu dégages. Voilà, et pourquoi là je passe pas? J'ai pris le virage vachement bien. Il y a aucune raison de pourquoi je suis pas passé. Aucune raison. Enfin, je pense. Enfin, je regarde ma vidéo en replay, mais... Voilà, et là, bah, comme je vous ai raconté déjà les histoires de checkpoint mal placé, de level design mal branlé, c'est que à partir du checkpoint, en accélération au fond, on passe pas l'obstacle. Donc on est obligé de ralentir. Et de passer à côté. Mais bon... Généralement, c'est signe de reset, quoi. Parce que tu fais ça, t'as plus les médailles. Oh, j'en ai marre de cette musique. C'est tout le temps la même chose. Je viens de laisser la One pendant 2 heures pour réinstaller GTA 5. Je viens de me rendre compte qu'il y a un message avant l'installation. Ah, toujours, toujours, toujours attendre le premier pourcentage de l'installation, histoire de bien être sûr que c'est en train de s'installer. Toujours. C'est une règle hyper importante. Voilà, fais ça, même pas la médaille de bronze. Oh la vache, mes pieds. Bye William, à la prochaine. Ah non, mais la musique, c'est une horreur. J'ai dit, il y a une musique qui est à peu près cool, mais le reste, c'est une horreur. Ah bah, je l'ai fini dans la douloureuse, celui-là. Oh la vache. Plus 2 minutes 22. Ah la vache. Oh la vache.